faut que je finisse de brûler cette zone d'infestation. Encore une unité médicale mobile. Ok. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Voir s'il y a un autre injecteur dedans. Pas de courant, bien sûr. Tu vas bien me servir. Yeah.
soin. Un autre nid. Allez, au feu!
vous inquiétez pas. Je repasserai plus tard pour finir de vous cramer. Ok. All right.
Thank you.
J'ai besoin de munitions. Bidon d'essence. Je vais regarder ça de plus près. Non, pas par ici. C'est verrouillé. Allez, feu! Thank you.
T'en avais bien besoin. Ça y est. Non, c'est de l'autre côté. Quel côté ? Oh, mais où est-ce que je vais trouver un fusible, moi ? Ouais. Infusible, cool. Ça devrait être bon. Voilà, ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Encore un micro-enregistreur du Nero. Ouais, pas sûr de vouloir l'écouter. Autre injecteur du Nero. Cool. Un petit cocktail de vitamines. Yeah!
Toujours utile. On en apprend tous les jours. Une bécane.
Qu'est-ce que t'as fait tomber ? Ça défoule. Ah.
Et voilà. Ça doit le faire. C'est bon à savoir. Schizo, c'est Saint-John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin ? Non, Schizo, RAS. Ivoire, j'ai combien de temps devant moi ? Quoi ? De quoi tu parles ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Les gars, nous devons rester sur la voie. Bouge pas, pétard. Avec Carlos.
position. Messieurs, les garés! Allez, sort! Il se cache! Attrapez-le! Annonce, mon frère. Il faut le libérer. On a gagné!
Putain, quel bordel. Il continue de charger. Il ralentit. Crevez, putain de saloperie!
grave, espèce de grosse merde! C'est tout? Eh ben putain! Plutôt... Corias, cette saloperie! Les antibiotiques. Faut que je trouve des antibiotiques. Ça devrait le remettre sur pied. On pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait. Deacon St. John, tu me reçois? Dick, c'est Ricky, à toi. Ça me fait chier, faut pas qu'elle apprenne où je suis. Salut Ricky, c'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. Dick, t'es où? Il faut que je... Ricky, désolé, j'ai pas le temps, là, tout de suite. Attends, c'est Deacon. Derrière lui. La route. Faites gaffe qu'ils reviennent pas. Grouillet. Tu l'as trouvé? J'ai trouvé ce qu'il en restait, ouais. Ce qu'il en restait. J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Oh, une minute, c'est bouseur, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. Qu'est-ce qu'il a, Boozer? Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En me renseignant, j'ai appris que Skizo et toi veniez par ici. Je comprends mieux pourquoi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Le site du crash, le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocie
avec Carlos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries! Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est des conneries! J'étais là! La soute est déjà à moitié vide! Les traces qui tendent le site du crash vont toutes vers le sud! J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois! On peut pas se fier à eux! Tu parles comme Schizo. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein? Ah, ouais, super! Maintenant, tu me prends pour le larbin de Schizo! Je me trompe? Dans ce cas, comment t'as su? Un drifter, du camp de Copland. Tu l'as dit toi-même, c'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Schizo cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu me fais mâcher le travail. Je peux te poser une question? J'ai vraiment le choix. La dernière fois que je t'ai vu, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te payer pour ramener les survivants. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. Ok. On n'a jamais forcé personne à nous suivre. Et Tucker? Tu peux en dire autant? Je sais pas. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, qui a pas dormi depuis plusieurs jours, il est si vulnérable qui cherche même plus à échapper à des types comme toi? Tu t'es jamais dit qu'ils avaient pas le choix? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'empocher tes crédits? On a tous le choix, Deacon. À nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui peuvent pas travailler et gagner leur croûte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. William! William, si tu m'entends, je te demande de te calmer! Adi, qu'est-ce qui se passe? Boozer! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu plaisantes? Oh, non! Deacon. Non! Deacon. Non, c'est hors de question, pas question! Je peux pas Deacon, te laisser lui faire ça! Écoute-moi! Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras. Écoute-moi, j'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir? Adi, on est en train de le perdre. D'accord, très bien. Ok. Allez, viens. Hé, hey, mec. Hé, hey, frérot. Écoute, il faut que... Tiens-le ici, tiens-le. Dick. Ok. Tiens-le fermement. D'accord. Ok. C'est pas vrai, on va le perdre. Non, stop, il biche le sang. Il faut arrêter là, il biche le sang. Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec, tiens bon. Tiens-le. Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le. Hey, tu t'en es bien tiré. Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieure en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Adi. Mike, reste tranquille. D'accord? Deacon! Sors de là! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu et t'ont suivi.
Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foudre. Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir? T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Attends! Ça va? Hello. Alors, on a besoin de crédit? On se fait plaisir, hein? C'est tout. Ah, ok. Ouais, merci. Tout premier, hein? J'étais au boulot. C'était mon dernier jour. Je bossais dans un petit café à Farwell. Je peux t'aider? Non. C'est que ça. Ça n'a pas l'air trop grave. Voyons voir. Bon. Hey, ravi de te voir. Salut, Blair. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? T'as une absence ? Ok. Merci à toi d'être passé. Attends, je vais t'ouvrir.
au Deacon St. John. Tu me reçois? Ouais, Vicky. Qu'est-ce qu'il y a? Iron Mike dit que tu t'es porté volontaire pour rester dans le coin et aider le camp, mais que tu refuses de bosser pour Schizo. Hey, grosso merdo, ouais. Bon, je peux pas t'en vouloir. En tout cas, j'ai que toi sous la main. Alors passe à l'atelier de mécanique. Ouais, j'ai du boulot pour toi. Ouais, ça roule, terminé. Deacon, tu me reçois? Ouais, Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce qui est arrivé à Boozer. Ouais, sûrement pas autant que lui. Écoute, Adi voulait juste que tu saches que si tu lui avais pas apporté le couteau d'amputation, Boozer souffrirait encore plus en ce moment. Ouais, enfin, ça vous a juste permis de le charcuter plus facilement. Bref, on espère que... qu'il s'en remettra. C'est mon ami aussi, tu sais. Hey, écoute. Merci de nous avoir fait entrer, Ricky. Faut que j'y aille. Terminé. C'est bon.
avancer. Il faut que je l'aide. Oh, par pitié, aidez-moi. Je suis coincé. Aidez-moi. Pitié. Pitié. Je suis pris au piège maintenant. Je peux plus respirer. À l'aide. Pitié. Aidez-moi. Attends, attends, j'arrive. Tu vas pas t'en sortir là-dehors. Je connais un camp. Où ? Où ça ? Je vais y aller, je vais y aller ! Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Merci infiniment ! Et j'ai vraiment cru que j'allais y passer ! Dis-leur que c'était Deacon, ils comprendront. T'arrêtes pas, reste bien hors de vue. Et voilà. Ça y est.
Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, autant jeter un coup d'œil tant que j'y suis. Adi, t'es là? Deacon St. John à l'infirmerie de Lost Lake répondait. Dick, salut. Je vais pas à l'ouest, doute. Ça va, toi, qu'est-ce qu'il y a? Salut, Boozer. Rien. Non, je m'emmerdais à écouter Radio Libre Oregon. Les théories du complot, ça va 5 minutes, quoi. Dick. Adi m'a dit. Chercher des anti-machins de mes couilles. Deux heures, je... Ça a dû être sympa. Tenir pendant qu'elle me charcutait. Tu te rappelles comment Jack avait découpé cette dinde la dernière fois qu'on s'était retrouvé? Elle arrêtait pas de glisser sur cette foutue table. Fait maintenant, Bowser. C'est fini. Désolé. Je suis un peu dans le coltard, là. Normal.
Ah, Adi va me trucider si elle te voit faire l'imbécile hors des lits. Ouais. En parvenant au lit, j'entends le mien qui m'appelle. Terminé. Écoute, Boozer. Bordel. Et voilà.